Bonjour à tous. Bonjour. On est toujours sur du Risk of Rain. Enfin, toujours, normalement. Si on réussit cette run, ce sera la deuxième en normal. Et on va essayer de battre notre record de filmé de 21h36. Et deux bandits. Et c'est tout, mode normal de bandit, Et il oui, est de mon c'est ça. côté. Et c'est parfait, je suis coincé de mon côté. Bon, bien sûr, vous vous en doutez, entre-temps, on a fait énormément de runs. Ouais, beaucoup. On était très 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 bien parti pour une en particulier. Plusieurs, même. Une, on était, on avait terminé le niveau 5 au bout de 11 minutes, hein, quand même. Il y a celle où ton ordi a planté aussi. Oh, ça c'était il y a très longtemps, ça. Ah ouais, mais. Oui, Elle était bonne celle-là aussi. on était très bien parti aussi, oui, c'est vrai. On est bien parti là aussi. Je viens de voir Willow Wisp pour toi. Ouais, c'est le boss qui a droppé ça. Une bannière pour moi. Ok. Baramine. Objet de merde. Oh, le Willow Wisp, c'est vraiment. C'est monstrueux. Ha ha ha. Ça fait des dégâts. Deuxième bannière. Oh, j'ai envie de dire pourquoi pas. Si on l'a tout de suite, ce Smart Chopper, c'est pas si mal. Ok. C'est très bien ça, j'ai envie de dire. Ah, ils sont les ennemis, ils sont au côté? C'est bon. Le dernier? Le dernier aussi. Je Ok. le vois. Il était planqué, je sais pas où, je sais pas pourquoi il a popé là. Vas-y. 2-12. Très bien, j'ai 4 objets. J'en ai 4, dont un en double. Ok. Qu'est-ce que fait prendre. Je vais tout à gauche. Je vais en haut à gauche. Donc il faut vérifier la partie milieu gauche. En plus, Ok, on. c'est pour toi là. Ok, je l'ai. T'es Suis bien. tout en bas, c'est bon. T'es bien placé, ok. Ouais. Alors l'avantage là qu'on a, enfin le Smart Shopper, c'est cool parce que ça nous va passer pas mal d'argent. Et on pourra ne pas hésiter à se faire plaisir quand on a un petit. Quand on a un Un petit coffre coffre sur le quoi. chemin. Ouais. Mais ça reste toujours qu'un coffre sur le chemin. Ouais. Parce que je t'ai vu dans une run où t'as fait un petit détour. Je pense quand même que des fois, si même perdre 2 secondes pour un coffre, il faut le faire. Puisque les 2 secondes sont sûrement récupérées, il y a de grandes chances qu'elles soient récupérées par le contenu du coffre. Merci. T'as eu quoi? L'œil. Faudrait vraiment qu'il pense à équilibrer ça. Ah. Est-ce que tu es sur la première plateforme de gauche? Non, je suis tout à gauche, vraiment. Je sais pas si j'en fais popper au-dessus de moi, en fait, c'est ça le problème. J'entends des bruits, des claquements, et c'est pas de mon côté les claquements. Il y en a chez moi. J'ai beaucoup d'argent, ça va. Bah, mine de rien, j'y pensais pas, mais ça va nous aider aussi pour l'expérience. Oui. Oui. Très très bien. Ok. Ok, alors moi j'ai un truc de chance, je le fais, hein. Et j'en ai un chez moi. Très bien, c'est bon. Ok, vas-y, y a un truc autour de toi à prendre ou pas? Oui, non, Non, mais non, mais non, 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 ok, non. c'est parti. Level J'ai up. j'avais pris tranquillou. Aïe, tu vas à droite ou tu vas à gauche? Je vais à droite. Yes! Ah non! Je Bon, ça c'est un vieux réflexe, hein. C'est un objet qui est cool, mais vu qu'on décide de faire un speedrun sans stopper le temps, ben voilà. On prend pas l'objet qui stoppe le temps. Parce qu'on va prendre l'in-game time et pas le real time. Ouais, donc on évite de faire Sachant ça. que le real time, on pourra le calculer assez facilement ensuite.
si la run fonctionne bien en utilisant Vegas. Allez, j'essaie de perdre 2 secondes pour... Mince. Bon, c'est pas le niveau optimal, mais on a été plutôt bon niveau objet et niveau portail pour les précédents, donc on va dire que c'est acceptable. Ouais. Allez, on pardonne le jeu. Bon, de ton côté, rien en vue encore? Rien en vue. Sur le tutu. Pointu. Ouais, chapeau. Pointu. Alors, à gauche, y a du port... Enfin, il n'y a pas du portail, il y a du coffre. T'es tout en haut déjà? Ouais. Je pense que ça va être un petit duel au sommet. J'espère. J'espère. Tu me fais peur là. C'est bon. C'est bon, ok. Bon là c'est parfait par contre. Ouais. Je te rejoins. Alors y a des drones ici par contre, ça pourra nous servir. Aïe. Par contre, y a ces bordels de trucs élites là. Ouais. Putain, mais pourtant, on est en difficulté facile. Ah, j'ai une bannière, si tu veux. Parfait. Ok, parfait. Enfin, ils sont tous. Ils se ramènent tous là. Allez, fais péter des mobs en dessous de. Ah, on a le Will. Le boss. Yes. Oh, yes, la dague. Oh là là. Oui. Par contre, y a des boules qui descendent, si je puis me permettre. J'espère qu'il n'y a pas des persos en bas en fait. Oh là là là. On fait comment? Est-ce que je prends les drones? Ouais. Ah, il y a un drone de feu en plus, puissant. Ah, j'ai un drone laser aussi. Bon, descend. On va voir s'il n'y a pas des. T'es sûr? Oui, je pourrais m'en sortir facilement. Ah, non, mais regarde, là, ils partent à droite les trucs. Ah! Ok, il y a l'argent qui arrivait d'en bas, je vais descendre. En fait, ils partent n'importe où, il y en a qui partent même en haut. Mais c'est peut-être quand il n'y a plus d'ennemis en fait. Ouais, là ça part n'importe où. Oh là là, non! Je veux pas l'utiliser! Ok, c'est bon. Vas-y, très bon. Très très bon. Sauf que j'ai un objet qui m'énerve. T'as récupéré le. J'ai une montre, oui. On passe en bas ou pas? Je vais voir en haut à gauche. Ok. Alors là, on espère pas de crémator. On a été plutôt chanceux là sur les derniers runs. Ouais. Il est là. Il est là? Oh là là, mince. Allez, vas-y, active-le, je me coince en haut à gauche. Et malheureusement, il n'y a pas de portail, il n'y a pas de coffre. Yes. Oh yes. Tiens, quand on entend le bruit de ce cochon, qu'est-ce qu'on aime ça? Non, moi je regarde la barre du boss, c'est juste désactiver le son. Ah ok, moi j'entends le... Ouais, c'est exactement ça. Et... Quand j'entends, je suis rassuré. C'est toi qui le tape. Ah bon? Ah, il est de mon côté, ouais. En fait, c'est les boules de la dague. Ah, d'accord. Limite, j'ai pas envie de le tuer. Pourquoi? Parce que quand il fait popper ses cochons, Willow Wisp plus cochon qui meurt, ça fait énormément de boules. Et toutes ces boules, ça tue, ça peut tuer les ennemis qui sont... Bon, je réfléchis pas, je le tue. Ouais, vas-y, tue-le. Théoriquement, je pense que c'était pas si mal, mon idée, mais... Oh, tiens. Un deuxième... Ah, difficile, pas mal. Dans la foulée. Est-ce que t'as un objet utilisable, toi, déjà? Non. Non. On est très bon, mais on n'a pas d'utilisable, c'est ça le problème. Alors je crois qu'il n'y a plus personne de mon côté. Où est-ce qu'il y avait un ob... Non. Oh là là. Un dernier ennemi. Ouais, il a popé plus tard. Bah, ouais, il profite pour les objets. Ouais, je peux faire un dos. Je suis dessus, ok. Vas-y.
Bon. Plutôt pas mal. Ouais, pas exceptionnel non plus, hein. Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Dirige-toi à gauche, il est tout en bas, ça c'est génial. Et en plus, il y a une lanterne, je vais pouvoir changer ma montre, parce que je peux pas vivre avec ça. Ah, je vais rester ici, moi. Ouais, vas-y, Il y vas-y. a, y a pas d'autre pop possible. J'ai. Puis y a un ennemi là chez moi, j'ai peur que ça pop n'importe où donc. On a beaucoup d'argent, ça c'est cool. T'es quel niveau? 10. Ouais, pareil. Il faudrait regarder en fait ce que ça nous apporte par rapport au run précédent. Oh, j'ai deux jetpacks. Ah, vraiment, on est très bon, hein, mais on n'a pas d'objet. Limite sur le dernier niveau, faudra vite fait voir s'il n'y a pas des objets achetables et tuer quelques ennemis vu qu'on a deux portefeuilles, ça peut être... Ouais, vu qu'on a 2 x 30 secondes, Ouais, faudra vraiment profiter de ces 30 secondes. il y a moyen d'optimiser ça. Sinon, après, si on a une carte aussi, Ouais. une keycard qu'on peut trouver dans le premier cargo. Oh, météorite là, ça serait parfait. Après, je pense que même sans objet, on peut le faire. Hein, mais est-ce que t'as beaucoup d'ennemis près de toi ou pas? Aucun. Aucun. Ok. Il en reste un, J'y il est vais, dans j'y ton. vais, j'y C'est vais, bon. j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Oh là là. 12. On n'ose plus rien dire tellement ça se passe plutôt bien. Ok, normalement si on tue assez d'ennemis on peut ouvrir ce coffre déjà là. Eh oui les gens vous poupez? Ah. Oh, ce qui m'ont fait mal. Je pense qu'on peut les tuer là en partant. Oh, j'ai envie de dire merci le drone qui me soigne. Oh non, on a vraiment pas d'utilisable ici. D'habitude, il y a un petit truc. On n'a pas eu de keycard. Je vais ouvrir un coffre tout à gauche. Vas-y, j'en ouvre un ici, moi. Oh là là, Headstomper. J'en ai déjà 2 comme ça, moi. Oh. Dommage, dommage. Putain. Ah, y a un boss, j'ai envie de dire, ça peut être cool si. Le boss il drop rien, il n'y a que les élites qui drop. Ah, quoique c'est Limp. Si, là, c'est un vrai boss là. Ouais, c'est Limp, d'accord. Si tu peux venir le tuer avec moi. Ou non, bah, je vais me mettre à la porte. Hein. Non, non, je ne vais pas perdre de temps. Hein. Surtout qu'il va pas dropper d'objets utilisables. Je file au boss là. Yes. Yes. Oh, attends. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? Mais regarde à gauche. Ah. J'ai des attaques explosives hein, en tuant le Limp. J'ai envie de dire, on va peut-être pas le glitcher, hein. On a cette. Faut profiter. Non, 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 si, si, on va le glitcher. T'es sûr? On a l'avantage De la bannière? à l'argent, hein. Il me fait un petit peu mal quand même. Ok, là on se casse. Ok, mais bah si tu veux, on glitch, hein. Allez, on glitch. Ouais. Ok, il est sur toi, je pense. Ouais. Je le touche, c'est bon. Ah, ça va moins vite quand même, hein. Ah, quoique, quand on tire à deux, on entend les deux bruits, donc. Allez, on descend en dessous des 20. En plus attaque explosive sur les verres. Ah yes! J'étais en train de me dire c'est dommage, on a rien pour les verres, mais.
On a l'attaque explosive, c'est déjà ça. Je pense que là, notre cadence pourrait être très, très légèrement plus rapide, mais en même temps, on perdrait beaucoup de vie. C'est mieux d'arriver full life face aux autres. Ok, il souffre, il souffre. Ok, c'est très très bon. Il m'a fait mal lui. Gabriel. Ouais. Ne meurs pas, ne meurs pas. Dans la bannière, dans la bannière. Ah, la bannière, c'est vrai. Je suis bête. Allez, allez, allez. En plus, moi quand je tape, je récupère de la vie. Moi aussi. Ah non, c'était une partie d'avant. Oula, oula, oula. Ok. Ils sont morts tous les deux. Yes. Faut aller le glitcher. On va le glitcher. Qui c'est qui le glitch? Moi je. Vas-y, va à droite. Je vais à droite, vas-y, vas-y, survie, survie, survie. Ok. Tu me dis quand je le touche, je le touche, okay. C'est bon. Oula, je le vois, j'ai peur. C'est bon. Yes. Allez, ah non, 17, on l'aura pas. Enlève ton armure. Ah, on aura peut-être 17, hein. Allez. Hey, dépêche-toi. Non, on aura pas 17. Non, non, non. Allez, pour nous encourager. Voilà. C'est de l'interne, bordel. J'ai tellement mal au pouce. Quand je l'ai posé, je me suis dit, mince, peut-être que le comportement du boss va changer à cause de la lanterne et que ça va tout foirer, mais... Et attends, si celui qui est en dessous il meurt, je passe de niveau, je pense. Vas-y, c'est missile, vas-y, vas-y. Level up. Ah non, c'est toi qui as level up. C'est moi qui ai level up. Là, il prend cher, mais pas ton bouclier. C'est bon. Oh, la bannière à la fin, pour le style. Oh non. Tu l'as posé sur le... sur le truc. Au finish. Il me semble que c'est 17-24. Il me semble. Enfin. Plutôt épique. Plutôt enfin, épique quand même. Bonne run malgré le... On a eu la dague. La dague, c'était très bon ça. Ouais, pas trop trop de chance dans le troisième niveau. Avec, avec la neige. Par contre, de la grosse moule sur le niveau de la lave. Mais pas de chance sur l'objet utilisable. Ouais, moi j'en avais pas. Et toi non plus. Ouais, j'avais le... Ouais. Bon, du coup, on va appeler ça une run sans objet. Non. 17-24. Je l'ai pas... 17-23 de mon côté. Oh. Bon, 17-24, on va dire. Hein. Non, oh, non, 17-23. 17-23, c'est toi qui host. C'est moi qui... Ah oui, c'est moi qui host. Ouais. C'est toi qui host, donc c'est ton... Oh, oh mon dieu. C'est bon. Ça, c'est de la belle run. Et là, il faudrait que je regarde si j'ai bien enregistré la bonne blague. Enfin, j'espère que c'est une bonne blague. Bah, du coup, notre prochaine run, je sais pas quand on va battre ce record. Mais c'est battable, hein, c'est battable. On le battra. C'est pas qu'on le battra, mon vitrier. Oui, oui, oui. Ah, ah là, celle-ci, quand même, elle est bien placée, là. Celle-ci. Ouais. On a mis... T'imagines par rapport à notre dernière run enregistrée? On a mis 4 minutes. Ouais. Oh là là. Ah bon. C'est n'importe quoi. Et par rapport à notre run easy. Easy, ouais, non, mais elle était... On avait perdu 1 minute, donc en gros on était à 18 et quelques plutôt. 18-41. Ouais. Donc avec 18-41 sur la run easy, là on est encore 1 minute 20 en dessous. Et en normal. Ouais. Voilà, donc on a mis la barre un peu plus haute. Sérieusement plus haut même. Ouais, faut baisser en dessous des 17 pour le prochain. On espère. En dessous des 17, c'est faisable. Si on a un objet, c'est carrément faisable. Même en dessous des 16, hein, largement. Ouais. Mais météorite, si on a une météorite au début, qu'on a des objets super rares qu'on n'a pas encore... qu'on n'a pas fait popper dans cette run. Bah, si on a le piou-piou. Si on a le piou-piou, ouais. Et l'objet qui améliore la quatrième attaque. De toute façon, il va forcément y avoir
des runs terribles, tu sais, au début, quand on regardait les runs de Binding of Isaac, c'était des mecs qui finissaient le jeu en quoi? En 15 minutes, puis en un peu moins, et puis après, il y a un mec, il a complètement torché le jeu avec. Il arrivait à trouver le bon objet dès le départ, et puis. Ouais. Mais bon, dans Binding of Isaac, t'avais quand même le Docteur Fœtus Cheaté, ultra qui était cheaté. ultra cheaté, tu pouvais trouver juste cet objet-là, et puis après, ça te permettait de taper, de te fader tout le jeu, quoi. Tandis que là. Non, non, c'est pas le cas, pas du T'as tout. des objets quand même assez différents et qui ont des utilisations différentes. Ouais. Genre, il y en a, tu sais que tu vas les prendre simplement pour le boss final, et d'autres, genre Will of the Wisp, où tu sais que c'est simplement pour éliminer des ennemis plus rapidement dans les stages avant d'arriver au boss final. Et faut pas oublier le smart shopper qu'on a eu là. Le portefeuille qui nous a rapporté plus d'argent et je pense plus d'expérience. Non négligeable celui-là. Et ben alors, si vous voulez bien rester avec nous un petit peu, on va vérifier ça tout de suite. On va De quoi? voir donc sur la run précédente. Ah oui, mais bah dis-nous à quel niveau on était. Alors, celle qui était en 21-36. On va voir tout de suite à quel niveau on a terminé. Ah, quoique, non, niveau 13, on a Niveau terminé 13? aussi. Ok. Ouais. Niveau 13, 21-36, Gold 3209. Et là, le double. Ouais, putain, ça. Item, on en avait 13, là, on en avait 11. Là, on en a 13. Et des boss, on en a tué 6. Puisqu'on a tué le Limp. Ouais, D'ailleurs, je Limp. pense que ça a bien servi les trucs explosifs à la fin. Carrément, en plus, ça m'a fait level up au niveau du boss. Ouais. Mais Ça bon, moi, aurait je été pense qu'on mieux a plus. On que je. a gagné du temps, je pense, en le glitchant. Parce que moi, je perdais vraiment trop de vie face à lui. Ouais, moi ça allait, mais je pense que ça aurait été mieux. La prochaine fois, il faudrait essayer que de level up pendant. Sur une plateforme. Si c'est possible. Comme ça, on le glitch et on bénéficie du bonus. Ouais, mais alors là, c'est n'importe quoi. Parce que toi, il faut que que t'ailles te placer pendant que moi je tue des gens. Il faut que tu sois quasiment. Faut que t'aies la bannière. Il faut que tu sois quasiment sur le point de passer un niveau. Donc, t'imagines, en speedrun, faut que ce soit c'est un Ouais, concours de c'est un peu circonstances. mission impossible. Ouais. Ouais. Avant de se quitter, je vais juste vous montrer deux objets qui pourront énormément nous aider. Donc c'est celui-là, le piou-piou, on disait. Ça tire un laser à chaque fois qu'on tire, qui fait 40% de dommages, donc et qui rebondit vers deux ennemis. Ultra puissant. Ouais, Et clairement. celui-là, l'ancien sceptre, ça upgrade la quatrième habilité. Et c'est exact. Et encore une fois, c'est super puissant. Et voilà. Je pense qu'on va se quitter. Ouais, je suis plutôt content là, On est ça tout va. content, ouais. Ouais. Donc on va se quitter et on reviendra avec une nouvelle run, on pense, hein, où on va battre notre corps. Ça marche. Ciao à Allez, tous. ciao à tous, ouais.